vous ramène dans la salle de bain. Il faut que je vous pose sur trépied là. Ça sera plus simple. Il faut que je m'attache un peu les cheveux. Du coup, je voulais vous parler de la nouvelle brosse à dents d'Oral-B, la IO. Elle est absolument dingue. C'est-à-dire que, elle est complètement différente, vous voyez, même au niveau de la tête et tout ça. Quand je me lave les dents avec, j'ai vraiment cette sensation de quand je sors du dentiste et que je me dis, ok, donc d'habitude, je ne me lave pas bien les dents. C'est ça que je ressens à chaque fois que j'utilise, donc elle est super. Je trouve que la tête, elle enrobe vraiment bien la dent, elle nettoie vraiment bien, mais en même temps, vachement en douceur et elle fait très peu de bruit. Elle fait beaucoup moins de bruit que toutes les autres brosses à dents que je connais. Et au niveau donc là c'est moi qui ai choisi de mettre rose, et vous voyez, si jamais j'appuie trop fort, ça devient rouge, sinon c'est vert. Et vous avez aussi le temps aussi qui vous indique si jamais vous êtes lavé les dents assez longtemps ou pas. Elle est vraiment formidable, je l'adore. Aujourd'hui en plus, vous avez le Amazon Prime Day et donc il y a des promotions, donc je vous mets le lien sur iPop si jamais ça vous intéresse. C'est super intéressant, donc voilà, n'hésitez pas à swiper si jamais vous êtes intéressé. Et voilà, elle est trop belle en plus, c'est futile mais c'est quand même cool. Et les amis, je suis trop heureuse, je suis tellement contente d'avoir reçu la petite dernière là, trop dans le mood de l'automne, Pumpkin Spice de Too Faced, j'ai trop hâte de la tester avec le Melted Matte, trop hâte. Fraîche est trop cute, donc vous pouvez retrouver la marque Fraîche chez Sephora. Et petit colis personnalisé et tout, je trouve ça toujours adorable. Ce nettoyant là, je l'adore, en miniature ça va m'être très pratique. C'est un nettoyant en soja qui est formidable. Le sérum là, je ne le connais pas, ça je l'ai dans ma salle de bain. C'est un masque de nuit qui est formidable, il est en deux parties, il est vraiment génial. Et j'avais très envie de tester le baume à lèvres, vous me connaissez. Moi les baumes à lèvres, c'est toute ma vie, j'adore tester. Ce que j'ai reçu, est-ce que c'est pas trop cool, sérieux, Joanne Paps et Lisa Paps sur des t-shirts, franchement je trouve ça génial, félicitations les gars, c'est trop bien, trop la classe, sérieux. Et du coup vous savez, c'est la collection avec Jennifer, je peux pas vous montrer porter parce que je rentre pas dans grand chose en ce moment, mais dans quelques semaines ça va le faire. Donc voilà, celui-ci trop cool, celui-ci aussi. Et je trouve que celui-ci est parfait. C'est bien noir, hein, si jamais la luminosité, je trouve que ça change beaucoup. Il y a beaucoup de lumière. Mais c'est méga noir. Je trouve ça trop cool, le fait d'avoir une épaule dégagée. Ça va avec tout ça. Ça fait tout de suite très classe. J'aime beaucoup. Colis qui m'a fait trop plaisir de la marque La Neige, puisque c'est que des produits pour les lèvres. Alors celui-ci, je ne l'ai jamais testé au pamplemousse. Moi, mon préf, c'est celui au bubblegum. Je l'aime trop. Celui-ci, je l'ai déjà testé. Donc là, c'est un pot et là, c'est pas un stick. Je vais vous montrer. Comme ça, celui-ci à la pêche, je le connais, je l'aime trop. Et j'ai reçu en petit format comme ça. Le masque de nuit mais à la vanille, et la vanille moi c'est ça passe ou ça casse, cette odeur de vanille elle est folle, vraiment ça c'est un super masque de nuit pour les lèvres. Aussi reçu un colis Clarins, vous savez à quel point j'aime tester les produits make-up et soins Clarins. D'ailleurs j'ai re-reçu l'émulsion en huile Nutri Revitalisante, formidable ce produit, je l'ai testé, j'allais le racheter, franchement il est génial. Un nouveau contour des yeux concentré zone regard, donc ça je le connais pas du tout. Et les nouvelles palettes, franchement je les trouve tellement qualitative en termes de packaging. Vous voyez, vous avez vraiment les tonalités sur le packaging. Je trouve ça trop beau. Même le boumousse. Bon, moi, j'utilise pas d'emboumousse, mais je trouve ça hyper quali. Vraiment, pour le coup, trop contente. Donc, hâte de tester. Il y en avait 5. J'en ai choisi 4. J'ai reçu aussi un eyeliner, mais avec la tête du liner qui est comme ça, je trouve, de tester. Et ce rouge à lèvres, vous savez, c'est un espèce de rouge à lèvres, mais baume, ultra crémeux, rouge bien sûr, évidemment.